Eh bien, salut tout le monde, ça va de nos. On se retrouve pour ce 11e épisode sur Spyro the Dragon. La dernière fois, nous avions fait quelque chose. Battu tête de métal? Ah, je sais plus. Ouais, c'était la dernière fois. Nous avions fait le niveau bonus aussi de la zone. Et du coup, je vais vous mettre l'image du jeu. Ah oui, ça se met en erreur parce que le jeu se met en pause. Et du coup, direction vers le passage obscur. Moins de 3000 joyaux restants. 2400 joyaux qui restent. Pas énorme. Ah, ce niveau a l'air... What? C'est quoi ces trucs? Ah, j'ai perdu de la vie, ok. Quand les tapes, ils se transforment en lanterne. Pourquoi pas. Ah, ouais. En gros, quand il y a de la lumière, ils ont peur. Ils ont peur quand il y a de la lumière. Allez, ça a pas l'air trop chiant. Combien de joyaux? 500. C'est bien. 5 dragons. Cassia. Les ennemis sont assez effrayants par ici, mais méfie-toi des idiots. Je vais les réduire en cendres. Bonne idée. Ouais, bonne idée. Ah, c'est les ennemis, ils tirent en même temps que toi, et du coup, t'es obligé de te faire toucher, limite. Oui, bonjour, mourez. Mourez, monsieur le champignon. Meurs. Bon, viens, petit chien-chien. Voilà. Ça, c'est facile. Tant que le... Comment il appelle le fou? Fou. Ne fais pas que de la merde. Juste esquiver sa boule de feu à lui, ça va. Azizi. C'est Merci drôle m'avoir quand même. libéré. Ouais, c'est bien. Autant que tu partes, hein. Vu ton nom, dégage. Voilà quoi. Fais de la lumière toi. Ah le salaud. Alors les rouges, c'est plus facile à tuer. Petit chien. Toi, tu craches pas ta boule de feu. J'entends du bruit par là. Oula, ça me tire dessus là. Pas trop ça. Mais il me touchait pas, tu me touchais pas là, gros tricheur là. Oh, il triche. Le mec triche. Non. Voilà. Prenez-moi cette vie, monsieur Sparrow. Ah, je suis déjà à la fin du niveau. Ok. Bacalé. Et y a pas de suite. Non, pas besoin de suite. Du coup, on va tourner là. Pas trop de choses à faire. Il y a plus d'ennemis alors. Ouais, mais je vois pas du tout ce que j'aurais pu louper. Ah, cette grotte là-bas. Ah, je perds du temps à foncer de sang. Je perds plus du temps qu'autre chose. Là. C'est là. Non, merci. Ah ouais!
Je dis n'importe quoi. En plus, j'ai rien à dire. J'arrive pas à dire. Je parle même pas. Parce que je sais pas quoi dire. Écoute, toi, tu. Oh les coquets. Où est-ce que je leur ai mis? J'ai défoncé. Ah bon? Ouais, mais. Ah, encore? En fait, t'as toute une partie annexe. J'adore leur bruit. Oh purée, excusez-moi. Par là. Ah ouh, mais tu me touches même pas. Ah ouh. Oh purée. Oh purée. Non. Wouhou. Purée, mais. Et mais viens là toi, arrête de te foutre de ma gueule. Plein de joyaux. Regardez-moi ces gros tas de joyaux. C'est le quatrième déjà. Ah pas là. Merci Spiro. J'aurais aimé t'aider à capturer Gnasty, mais je ne tiens vraiment pas à rester prisonnier du cristal. T'inquiète pas, c'est lui qui va finir prisonnier. Après, il va revenir dans Spyro 5. Wow. Comme Stinger, c'est un des ennemis de Spyro qu'ils ont vraiment peu réutilisé. Enfin, on dirait comment ils ont réutilisé Ripto dans. Non. Ouais, il s'appelle si Ripto. Je sais plus. Dans Spyro 4, ils auraient peut-être mieux fait de pas le faire, limite. Oui. Vas-y. Bah oui. Non. J'ai plus étincelle. Pourquoi ils l'ont appelé étincelle, s'il vous plaît? C'est quoi en bas? J'ai déjà été en bas? J'ai déjà oublié. Ah, et le dernier. The Last. Obasi. Merci de m'avoir libéré. De rien, de m'avoir aidé. Et bon, ça passe. Mais ramasse. Eux, ils te tirent de loin, mais j'ai soufflé, quoi. Oh, n'importe quoi. Allez, je vais mourir. Ah, elle va me tirer une boule de feu, la petite tortue. C'est bon. Moi, mourir, jamais. C'est mal de me connaître. Hein. Déjà presque à la fin. Rien derrière. C'est bon. Ah, la fusée. J'espère qu'il y a 35 joyaux quand même. Non, je serais un peu déçu. Ouais, du coup, j'aurais peut-être mieux fait de... de pas aller par là. Oh, il y a des 35, c'est bon. Par contre, j'ai pas. C'est chiant à ramasser. Et moi, je dis que ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon. Eh bah, parfait. Ce jeu à speedrunner doit être vraiment rapide, je pense. Parce que les niveaux, tu les finis assez vite. T'as même pas besoin de finir tous les niveaux. Faut juste battre le boss. Oh non! Qui reviennent ces ennemis de n'importe quoi. Il nous reste deux niveaux à faire. Il y en a là-haut. Je crois. Ah. Du coup, on va le faire. Au château.
Grands arbres, le retour. Ah, je suis sûr, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais... Oh mon Dieu. Oh, excusez-moi. J'ai baillé un coup. Ah, c'était pas gay. Du coup, combien de joyaux ici? 400. Niveau un petit peu moins grand. Ou alors joyaux un petit peu plus caché. Faut voir. Oula. Oh, les ennemis de Spyro sac en ballon. D'ailleurs, dans Spyro 5, il y avait une attaque. Je savais même pas qu'elle existait. Je savais même pas que tu pouvais être protégé avec tes ailes. Bah, moi, j'ai appris ça récemment. Je savais pas. Je lisais tellement quand j'étais plus jeune. Vous voyez. Moi, à 6-7 ans, moi, je lisais pas. Moi, je m'en foutais, je jouais juste. Hein. Je galérais pendant 1000 ans pour rien. En balançant des boules de feu. Toi tu meurs. Le petit feu d'artifice, va-t'en. Je veux mon joyau. Voilà. Elle te fait quoi elle? Oh. Mais quoi? Mais quoi? Ça commence déjà. J'ai soufflé dans le ballon. Hein. Je pourrais pas dire le contraire. Ça va, on va s'amuser. On va s'amuser. Avec les hitbox. Trop bien. Ah, ça va, la fée, elle est toujours sauvée. Non. Non. On va être plus careful, hein. Voilà. Il y avait quoi de compliqué? Rien. Ah, il est fait créer un tourbillon multicolore de paillettes. Que c'est appréciable. Checkpoint. Tu as sauvé Moudada. Bon, il n'y a pas une dragon, y a eu un bug. Hein. Non, mais servez de moins en moins, hein, surtout. Les fées sont je sais pas quoi. Puis j'écoute même pas. Les fées sont tes amis. On va dire que ça. Dis. Redites rien. Redites rien. Ah là là. Oh là là, n'importe où. C'est bon, on a déjà fait un quart du niveau là. Ça part déjà en n'importe quoi. Laisse pas avoir de game over, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quoi. Ce serait pas mal. Alors, j'ai jamais game over au boss. On me dirait, les boss sont trop nuls. On va aller là d'abord. Moudada. Le niveau il est trop séparé. Trop séparé. Tu le sépares. Trop séparation, tu la séparation. La cage qui passe à travers les murs. Je ne peux pas lui souffler dessus. Allons là-bas. Barouti. Moi j'ai lu abruti. Hein. Moi j'ai lu abruti, mais c'est bien un abruti. Hein. Vu comment ils servent à rien. De toute façon là, ils ont plus de trucs à dire. Il n'y a plus du truc du genre. Hey, va dans le premier monde et saute sur toutes les plateformes. Un passage secret apparaîtra derrière la cascade. Ah, faut le bon timing. En fait non. C'est bon. Il est nul. Du coup. Ah, t'as les petits deux joyaux là.
Ça m'a fait flipper en plus. N'importe quoi. Mais il y avait quelque chose là-bas. Je sais pas où aller. Et regardez-moi ça, il t'a 10 milliards de chemins. 10 milliards de chemins. Allons là-bas. Prenons pas ça. Voilà, tu fais ça. 8, 2, 1. Tu t'en fous. Non, il fait pas de mal encore quand tu lui touches les petits pieds. Voilà, crève. Bon, il est pas mort, mais... Mais il aurait pu. Dans une dimension parallèle. Où il n'avait pas d'armure et il se baladait à poil. Ah, raté. Tu détruis ça, tu détruis ça, tu détruis ça, et tu vas là. Ah, vous êtes lente, hein, mademoiselle les filles. Oh, la petite clé qui était au début. Je vois l'endroit, me semble. Ah, Spirou, merci. Tu peux effectuer des supercharges pour te rendre dans d'autres endroits du haut château. Bon vent. Moi, il sert un minimum à quelque chose. Bon, vous me direz, c'est le numéro 69, c'est normal. Mais bon. Je dis que de la merde. Oh non. Bug pas, s'il te plaît, supercharge quand j'aurai besoin de toi de faire des trucs impossibles. Sinon j'ai la solution de l'autre manette. Yeah. Là c'est bon, je l'ai. Au cas où. Du coup, faire quelque chose que pour une fois que je n'avais jamais fait. Mettre le jeu en grand. Et ouais. Mais pas en plein écran. Ouh, ça fait trop bizarre. Et pas en plein écran parce que plein écran OBS ça capture pas, je crois, quand on a plein écran. Le coffre il est où? Il est là. Et donnez-moi tout cet argent du bonheur. Ça passe. Ah, du coup je suis un peu perturbation. Ça passe pas. C'est bon, ça me remet là. Du coup, apparemment, nous pouvons accéder à d'autres zones du grand château. Genre là. Pas du tout. Et s'il y avait rien. Du coup, ça sert à rien ce que je fais. Allons là. Ah là là. Tu vas là. Et tu cherches un endroit où il y aurait potentiellement quelque chose. J'ai cassé ma supercharge. Là. Ok, c'est l'endroit que je cherchais tout à l'heure. Je passe là. Voilà. En dessous, c'est du vide. Ça m'en a tout l'air. Ouais, ça doit être compté comme du vide, hein. Si on tombe. Évidemment, moi, je fais quoi? Bah, je saute dans le vide. Hein. Bon, je vais pouvoir essayer comme ça. C'est... J'ai fait exprès.
Ah, je vois pas du tout où je peux aller. Doit y avoir une autre supercharge. J'espère, en tout cas. Ah, et puis on voit rien d'ici. Déjà, retourne là et tombe pas dans le vide cette fois, s'il te plaît. Juste comme ça pourrait être sympathique, tu vois, qu'on s'entende bien. Voilà. Ouais, pour accéder à tout endroit du grand château. Vous êtes sûr qu'il y a des endroits cachés? C'est quoi ces trucs multicolores là-bas? C'est en baguette? Ah non, c'est le tourbillon. Ah ouais. Je peux aller là-bas? Ah ouais. Non, toi tu vas me mettre un coup, toi je le sens. Ouais. Putain, j'ai cru que c'était des champignons qui allaient m'attaquer. Par contre, vous êtes chiant. Voilà. C'est le moment inutile. Voilà. Merci. Merci d'être passé. T'es sérieux? Moi je voulais juste te tuer. Ah, et du coup là c'est la fin du niveau. Est-ce qu'il y aura 15 joyaux? Mais oui. Ah, il n'y a même pas eu de passage secret de la mort qui tue. Et ben voilà. Retournons à la maison. Nous sommes à 22 minutes. Ah, je sais pas quoi faire. C'est court, mais... Oui, mais... Ouais, non, on va s'arrêter là. Parce que si le niveau dure trop longtemps, le dernier, avant le boss, je vais pas apprécier. Ça ferait épisode 12, ouais, on pourrait finir le jeu à 12 épisodes. C'est bien 12 épisodes. Le tour hanté, nous ne l'avons pas fait. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vous dis à la prochaine, et moi je vais tourner la suite. Allez, bye tout le monde.